this dude King Julian style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi pour se faire une petite découverte sur un jeu qui se nomme Speed Crew. Si vous en avez marre de cuisiner et de vous battre avec vos ustensiles de cuisine style Overcooked, eh bien Speed Crew est fait pour vous. Petit jeu coopératif ou en solo où on va devoir gérer un petit garage et réparer des petites voitures de course. Petit jeu développé et édité par Wildfeed que je tiens à remercier de m'avoir gentiment fourni une petite clé pour vous présenter ce jeu qui est au prix de 19,99€ sur Steam. Il se joue en solo, en coopération en ligne comme je vous l'ai dit. Il y a aussi de la coop locale en écran partagé et du remote play together. La compatibilité manette est complète, il est en français dans d'autres langues. Ce petit jeu est sorti le 31 janvier 2024. Donc Speed Crew est un party game axé sur la coopération chaotique entre joueurs. Le petit crew inspecte les voitures et effectue des réparations tout en naviguant dans des niveaux complexes. Et bien écoutez, on va se découvrir tout cela dès maintenant, c'est parti. Ok les jeunes, nous voilà sur l'écran d'accueil. Alors j'ai pas branché ma manette pour le moment, je vais le faire après. Nous voilà sélectionnés. Je sais pas s'il faut que... Ouais. Je sais pas si je peux y aller. A priori les touches c'est pas ça. Alors je vais y aller avec les flèches directionnelles pour le moment. Je vais aller reparamétrer mes touches et on se retrouve après. Ok, alors je sais pas si j'aurais réussi à binder la touche Z pour me dépasser vers le haut. A priori ça veut pas. Ce mode nécessite au moins 2 joueurs. Ok, les extras. Vidéo et crédit, non, c'est bon. Après on a quoi là-bas sur le côté? Presse. Joindre localement. Ok, bon, je peux même pas y accéder comme ça c'est réglé. On va faire la campagne. Premier emplacement, choisissez un nom pour votre équipe. Red Royals Piston Head Crew. Nom personnalisé. Les murs screw. Si la touche Z n'est pas détectée, je vais devoir finir par brancher ma manette. Hein. What if we construct a catapult and throw our car right to the finish line? A catapult? Please. Last time you built a car without installing the brakes? Cause it'll go faster. Silence! My father was a pit stop hero. He could unscrew the wheel just by looking at it. He taught me, and I've taught you. With your skills, we can do this! Unscrew with our eyes? I think someone's having a senior moment. Also, we don't have an entire crew. Don't we? Let me introduce you to our new family members. Someone said family? How you doing? Dominion Toretto! Get lost! Heard you were gonna participate in the 70s Racing Championship. The Furious family is bored, and we're looking to make a bet. The team that wins all 4 championships gets everything. The loser will be forced to reserve our places in line at the gas station. Prepare to lose and lick my boots. And my mustache. Huh? Remember, you need to win 3 championships and declare it by a document in order to get access to the last prestigious race. I hate that guy. He's constantly blowing through the stop sign on my street. Plus, he hit me with his car that one time. He's done worse than me. He made me pay on our first date. How about you, mustache? Can I go to the bathroom and clean my mustache? No! It's about time you people actually did your job instead of complaining about your personal lives and mustaches! I'm about to make repair specialists out of you! Ah, comme on peut voir, déplacer vers le haut, c'est pas bindé les jeunes. Ouais, ok. Aspirer, ça marche quand même, ok. Bon bah j'ai ma manette dans les mains, je vais quand même brancher ma manette. J'espère qu'elle va être détectée les jeunes. Je vais la rebrancher. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Utiliser ordinateur diagnostic. Alors déjà, on va aller baisser le son de la musique. Et de l'ambiance.
que dans l'intro ça nous a bien pété les oreilles. Par contre, si ça pouvait descendre un peu plus vite, ce serait bien là. Là, je vais mettre à 50. Et ma manette n'allait pas détecter les jeunes. Ouais, sauvegarder. Ah, je vais relancer vite fait le jeu. Hein. Ok, on continue. Ok. Oh, il voulait que j'aille vers l'ordinateur là. Bouclez votre ceinture, les amis. Ouais, machin, ce qui va pas avec la voiture. Ah, ouais, enfin. Succès, tous les problèmes ont été mis en évidence. Ok, donc c'est problème de roue. Il faut que je fasse quoi? Ok, faut que j'aille chercher ça. Ok, on va prendre une clé. Ok, B pour lâcher. Je suppose qu'il faut que j'aille mettre les pneus ici. Je sais pas quelle touche pour sprinter. Ouais, bah j'ai déjà fixé les deux roues. On verra. Après, là j'ai laissé ma petite clé, je vais la ramasser. Ça m'évitera d'aller en chercher une à l'autre bout. Ah, ça pour pas gêner sur la piste, on va le pousser. Ça, on le prend. Elle est tombée violemment. Et c'est quoi? Ok, plus 24. En réparant les voitures, dans le temps imparti, vous gagnerez, ok. Diagnostic. Ok. Vas-y, prends ça. Par contre, si j'arrive pas à courir, ça va être compliqué quoi. Je suppose que pour aller changer l'autre pneu, il va falloir que je fasse ça comme ça. Et je passe de l'autre côté. Ok, la clé. Faut que je me dépêche parce que là, le temps joue contre moi. J'aurais peut-être dû lâcher ma clé. Juste à côté. Ok, c'était limite. Oh putain, il m'a écrasé. Ok. On va mettre ça à côté. Récupérer la clé. Putain, j'ai le temps qui descend avant même d'avoir fait le diagnostic. Si j'ai pas ma touche pour courir. Ok, pour sprinter, c'est X. Et je peux aussi mettre des coups. Ah, dépêche. Pour se terminer. Ok, bon, j'aurais réparé deux voitures. On est premier. Terminé le tutoriel. Ok. Donc ça c'est fait. Licence requise. Terminer le championnat précédent pour obtenir une licence, ok. Bon, les autres, ça va être pareil. Et donc, vas-y, c'est parti, hein, première manche. Instruction, réparation de la carrosserie. Suivant. Il n'y a pas moyen de faire défiler les pages, là. Ok, bon, bah tant pis. J'aurais bien voulu en voir un peu plus sur le côté. Un diagnostic, c'est de l'autre côté. Ah, puis il faut rester enfoncé pour que ça passe. Ah, c'est vrai que à plusieurs, ce sera beaucoup plus rapide. La clé, c'est par ici. Ah, les pneus sont de l'autre côté. Ouais, on va faire ça, déposer ça là, ça le pousser, ça on va le prendre.
Ok, plus 12. Je vais laisser tout mon équipement de ce côté, hein. Je sais pas si je peux... Ouais, réparer la carrosserie. Pendant qu'elle est élevée, ça me fait gagner du temps. Ok, je peux me speeder avec un objet dans les mains. Il faudrait que j'arrive à ramasser ma clé. Voilà, plus vite. Ah, diagnostic. Ah, celui-là, je vais me le laisser de ce côté et je vais prendre l'autre et je vais le foutre par là. Hein. Ce sera plus simple. Quitte à aller chercher la deuxième clé. Sauf si je la fais tomber par terre. Heureusement que je ne l'ai pas mis à la poubelle. Voilà, merci bien. Ah, a priori, on n'a pas fini de démonter le pneu. Voilà, merci. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, appuie. Enfin, c'était limite. Hein. Il reste 32 secondes. Ok, là, c'est à l'arrière. Dépêche-toi de ramasser la clé, merci. Non, j'étais parti pour aller réparer l'autre pneu, mais ça n'allait pas marcher, quoi. Laissez-moi réparer celle-là. Ok, gagner une course pour la première fois. Terminer votre première course. Ok. Bah, c'est parti, hein, la suivante. Ok, équipe de recherche et de réparation d'instruction. Réparation de roues. Mais on est déjà au courant, les jeunes. Là, je peux réparer des roues sur l'établi. Ok. Alors ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de rester appuyé pour faire suivant, et juste une pression aurait suffi, ça aurait été plus simple. Là, je perds un temps fou. Heureusement que ça se met automatiquement. Donc là, je suis obligé de réparer. Ça, je crois que j'en ai qu'un. Et j'ai aussi qu'une seule clé à molette. Ah non, il y en a une autre de l'autre côté, sur la table. Ok. Alors, il y a un établi ici, alors on va réparer de ce côté. Voilà, merci bien. On va perdre un peu de temps, on va en chercher l'autre clé. Ça, je l'enlève. Et le bouton, il est là-bas. Ok, plus 16. Un treuil. Vu que j'ai mis l'autre de l'autre côté, maintenant je vais prendre celui-ci. Hop là. Là, je vais pas perdre de temps, je vais démonter les deux pneus. Allez vite, monsieur. Plus 16. Il reste 1 minute 40. On va déjà réparer la carrosserie. Comme ça, je serai bon. Vas-y, fous-moi ça si tu veux, mais la clé. Ah, merci. Fini de réparer la porte. Le pneu. Enfin, j'ai perdu du temps, les jeunes. Sérieux. Mourir pour la première fois. Ok, ça m'a pas validé dans le tuto, mais là oui.
Ok, donc on doit passer par ici. Mets-moi ça là. Alors, ça devrait le faire. Il me reste qu'un pneu à réparer. Empêche-toi de le mettre. Allez, yes. Voilà, ça sert à rien. Je sais pas si on finit premier, mais... Ouais, de peu peut-être. Hein. Ah si, 80 points. Bon, c'est peut-être la dernière voiture que j'ai fait passer qui m'a sauvé la vie. Donc c'est bon. 50 points au total. Ok. Troisième jour. Ok. Attends, là, va falloir monter. On va prendre ça. Je sais pas pourquoi il va falloir que je monte, mais... Ouais, merci. Ah ouais, c'est pour les établis. Je vois pas l'intérêt d'aller à celui qui est au fond. Bon, à moins si on joue à plusieurs, si c'est occupé, on peut aller le choper. Il y a d'autres tables, je sais pas à quoi elles vont servir aussi. C'est ça que tout est... Ah putain, faut courir de l'autre côté là. Putain, j'ai cru que j'avais un item dans les mains, mais non, heureusement. Par contre, là, va falloir cavaler de l'autre côté pour réparer les pneus. Ah, dégage, pompe pneu. Là, on peut poser des trucs dessus, mais c'est tout, quoi. Ah ouais, puis j'en ai une autre qui se pointe. Vas-y, vite. Répare-moi ça, là. Ouais, il m'a mis le pneu, j'espère. Ouais. Ouais, diagnostic. Vas-y, répare. Ça, je vais le garder dans les mains. Hein. Vas-y, dépêche. Ça, je vais quand même le mettre de côté au cas où. Vas-y, dépêche. On est à côté, mais on perd du temps. Si je reste coincé, ça va pas le faire non plus. Ramasse la clé vite. Bon, vas-y, fais-moi le diagnostic vite. Ouais, vas-y. Ah bon, bah mets-moi ça là. Ramasse ça, tape. Prends la clé. Prends la clé, ouais. Allez, 33 secondes. Je peux potentiellement réparer la dernière voiture. Vas-y, si tu te dépêches, c'est mieux quand même. Ça, je vais en avoir besoin. L'autre, je pourrais pas la faire. Et encore, là, le pneu, je suis pas sûr de pouvoir le remonter. Hein. Ça va être tendu. Je pense que c'est mort. Vas-y, dépêche, prends le pneu. Ah, dur. Ouais, je perds un peu de temps. Hein. Putain, on a fini troisième, là. Ouais, je vais pas recommencer. On est toujours premier, tant pis. On va faire l'autre pour voir... Ok, donc là il y a le ravitaillement. Il va falloir remettre de l'essence en plus. J'espère que je vais pas avoir. Ah si, je vais a priori avoir plusieurs voitures qui vont se pointer d'un bout à l'autre. Ouais, donc ça va être là. Je sais pas si plus il y a de trucs à réparer dessus.
plus on récupère de points. C'est pas le plein là qu'il faut faire. Putain, les jeunes, je vais perdre du temps là. Et j'ai pas besoin de prendre ça pour. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je peux pas interagir avec. À moins que le plein ce soit de l'autre côté, mais. Ou à l'arrière. On dégage ton machin là. Je le fais comment ton plein là, les jeunes? Putain, là c'est. Ah ouais, attendez, ça se trouve, faut que j'aille chercher de l'essence. Oh mon dieu. Ouais, voilà. Voilà, perte de temps. Ok. Faire ça comme ça. Là, c'est juste de l'essence, donc ça va. De la tôle froissée. Allez. Ah, de la tôle froissée. Je crois que j'en ai qu'un. Ça limite, faudrait que je le foute en plein milieu et. Ah, merci bien. Par contre, là, j'avais pas laissé un jerrycan dans le coin. Je crois qu'il a roulé dessus. Je suis obligé d'aller choper l'autre. Ah non, il est en bas l'autre. Vas-y, vite, fais le plein. Voilà, merci. Diagnostic. Ouais, une tôle froissée. Allez. Putain, dégage avec ton machin là. Putain, c'est chiant que ça ramasse pas. Ça ramasse un item alors qu'on l'a pas demandé quoi. Il aurait fallu qu'une fois que t'as les mains occupées, si tu lâches pas l'item, tu peux pas en ramasser un autre. Je sais pas s'il resterait de l'essence dans le jerrycan que j'ai rempli. Ouais non, faut le remplir à chaque fois quoi. Allez, 134e tour. Là, c'est de la tôle français. Ah ouais, si, j'en ai un autre de marteau de l'autre côté. Faut que j'arrête de ramener celui-là de l'autre côté, alors. Je vais le laisser ici. Ah, merci bien. Diagnostic. On va prendre ça. Ok, succès, réparer 15 pièces cassées, machin, je sais pas quoi. Quoi, y a pas assez d'essence? Ça veut dire que là, normalement, il est censé me rester de l'essence dans mon jerrycan. Obtenir un modificateur de combo, machin et compagnie. Ça faisait un moment que j'avais pas dû réparer une roue. Ah, dépêche. Ah, ma clé à molette. Ah, vas-y, vite. Ah, ça, c'est fait. Bon, je pourrais. Si, juste un plan, ça peut le faire. Ouais, t'as perdu trop de temps, dommage. Débloquer un personnage, ok. Ah ouais, on a pulvérisé le score là. Hein. Bah écoute, on va se faire la cinquième manche. Ok, donc là, ordinateur de diagnostic automatique. Ok, parfait. Parfait, donc là, j'ai pas à m'en soucier, tant mieux. Ouais, le plein d'essence, vite, fais le plein là. Putain, faut vraiment que je sois devant, quoi.
Putain, j'aime perdre du temps les jeunes. En plus, faut que je fasse le tour. Je vais remplir un jerrycan au cas où. Ah, tant mieux, voilà, comme ça j'aurais gagné un peu de temps. Voilà. Il n'y a pas besoin d'un plan entier. Celui-là, je vais le mettre là. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà, comme ça. On est bon. Mais normalement, j'ai un peu d'essence. Donc, déconnez. Ah, il reste de l'essence. J'ai pas fait un plan entier sur l'autre, là. Ok, bah, j'ai bien fait de remplir mon jerrycan à chaque fois. Ah, la jauge, elle est déjà à moitié remplie. Donc, je trouve ça un peu abusé que ça me vide entièrement le jerrycan. Pareil, là, la... Le truc, c'est dire qu'elle est pas fracasse à mort et je suis obligé de tout re-remplir quoi. L'essence est perdue quoi. Et on répare la tôle français. Ah, vas-y, fais le plein. Ouais, dépêche. Il y a encore un plein. Anticiper. Putain, là, c'est juste de la tôle français. J'espère que ça l'a validé. Libérer une voiture. Au dernier moment, avant la fin du de la course. Ok, cool. Mais ça m'a libéré un succès et ça l'a validé alors. C'était chaud, Mazette. Hein. Et on finit encore premier. Bah, écoutez, voilà. On se retrouvera pour la suite et refaire la manche 3 la prochaine fois. J'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Petit jeu retrouvé au prix de 19,99€ sur Steam. Je suis encore une fois à remercier Studio de Développement et d'Édition de m'avoir gentiment fournis une petite clé pour vous présenter ce jeu. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde. Et surveillez bien. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite. Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.